vidéo. Les reflets, on aime, on adore. Dans une nouvelle vidéo, dans cette vidéo là. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul AliExpress. Et on commence, Cougar, cette vidéo, tout de suite. Alors les loulous, à chaque fois je vous le dis, je vous le répète, mais pour ceux qui débarquent sur la chaîne, et bienvenue à vous. Je vous montrerai les trucs au fur et à mesure, parce que j'aime pas attendre d'avoir tout reçu pour vous les montrer, tu vois. Et vu que je vous montre un petit peu tous les 10 jours sur AliExpress, donc je vous montre au fur et à mesure. Alors en premier, j'ai acheté ceci. Mais pute, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as acheté ça? Un truc complètement inutile au possible. Je regarde si j'ai un stylo ici. Ah si, j'ai un stylo. Mais en fait, je vais vous faire une capture d'écran. C'est un repose. Un repose écouteur qui ne sert strictement à rien. Mais éventuellement, si t'as un bureau aussi, ça peut faire un repose crayon. Eh, la classe à Dallas ou pas? Et ben moi je trouve ça rigolo. Je trouve ça marrant comme tout. Sur un bureau, je trouve ça marrant. Genre le chat, qu'est-ce qu'il y a? Je tiens mon stylo. Mais oui, ça sert strictement à rien. Mais je trouve ça marrant. Voilà. Vous aurez tous les liens en barre de description pour information si ces petites conneries vous intéressent. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors pareil, oui, ça sert à rien, Bernabé. Et ça, c'est tout simplement un truc avec un double face que tu veux, vas mettre. Tu le mets où tu veux. Mais moi, personnellement, je vais le mettre dans ma voiture pour accrocher le petit masque des familles. Le petit masque, hein, le Covid. On aime la Covid. On aime, on adore. Il y en avait qui étaient estampillés avec la marque de ta voiture et tout, mais je trouve ça un petit peu kitsch. Et puis après, au pire, tu peux toujours les mettre, par exemple, juste là, tu vois, pour accrocher des colliers, des machins, des conneries comme ça. Mais moi, c'est pour la bagnole. Et c'était vendu par deux. Je dis pas de bêtises. Ensuite, et pour finir avec cette séquence... Yeah, yeah. Léopard, j'ai pris pour la petite chouquette des petites boules d'oreilles. Dans mon précédent haul, je vous avais montré des boules d'oreilles Miraculous ou petites... comment ça s'appelle? Coccinelle. Mais cette fois, j'ai pris en version chouquette parce que là, ma chouquette, elle n'a pas les oreilles percées. Hop, et donc là, du coup, tu peux les mettre sans avoir les oreilles percées, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, ça, au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux. Aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal au petit lobe de l'oreille. Donc voilà, comme ceci, pour qu'elle aussi ce soit une Miraculous. Des fois je lui dis, bah alors chouquette, tu ne manges pas? T'es pas une super, je dis son prénom, t'es pas une super courgette? Elle me fait, non, je ne me suis pas encore transformée. Je lui dis, t'attends quoi pour te transformer? Du coup là, elle aura les boules d'oreilles. Je sais pas si elle va les porter, je vais lui donner ce soir. C'est pour ça que je voulais me dépêcher de faire cette petite séquence. Et puis voilà, pour le moment. Et moi, pour information, j'ai porté les miennes. Parce que j'en ai des, je voulais, allez, venez, on y va ensemble. Je vais aller descendre, je vais aller donner chercher ma fille à l'école. Et moi, dans mon précédent vlog, je vous avais montré celles-là qui sont un peu plus effet bronzé comme ceci, mais cette fois qui sont que tu utilises si tu as un trou d'oreille. Hop, sont super jolies. Elles ne m'ont pas fait mal. Bon, après, tu vois, j'ai une petite rougeur, mais sur l'instant ça m'a pas fait mal. Mais j'ai toujours une rougeur, quelle que soit la boule d'oreille que je porte. Je les ai portées pendant toute une journée. Voilà, et je trouvais ça plutôt mignon. Ça fait un petit peu à l'ancienne. Bref, allez, on se retrouve pour la suite. Ensuite, j'ai commandé. Une sonde de thermomètre, je sais pas comment ça s'appelle, un thermomètre en sonde, que j'ai reçu comme ceci, très très bien emballé et tout. Et ça, en fait, c'est tout simplement, je sais pas si tu fais de la cuisine ou ce genre de choses, mais des fois ils vont te dire, il faut cuire l'eau à 150, non pas à 150, il faut cuire l'eau à 30 degrés, nanana. Moi je vais m'en servir pour mon aîné, donc c'est quelque chose qui est comme ceci, il fonctionne très bien, je l'ai testé tout à l'heure, tu mets une petite pile à l'intérieur, hop là, ça je vais le garder. Hop, une petite pile comme ça, tu fermes. Bon, faut savoir que la qualité est pas ouf ouf ouf, mais si elle fait le job, c'est tout ce que je lui demande. Et ensuite tu appuies sur on off et tu mets ça en fait, et tu vas voir que la température va plus ou moins augmenter. Et ça, ça va me servir pour faire mes aînés, parce que quand je fais l'aîné, il faut que je fasse chauffer l'eau à je sais plus combien de degrés pour que le mélange soit parfait. Donc j'ai aussi dans une petite boîte, je sais pas pourquoi il y a un petit fil comme ça, mais c'était très bien, je suis très très contente. Et ça va, pour information, de moins 50 jusqu'à 300 degrés, donc ça fait largement le job, j'ai envie de te dire. Et ensuite, un autre produit que j'ai reçu, je suis trop contente d'avoir acheté ça. J'avais vu sur une vidéo de Lily, si j'ai pas de bêtises. Alors, j'ai des chaussures comme ceci avec les lacets. Les lacets, je trouve pas ça top. Alors à chaque fois, je les mets en dessous comme ça, mais on les voit quand même. C'est un peu le bordel. Et en fait, là, j'ai commandé des lacets magnétiques. Je vous montre comment, hop, quand tu reçois le truc. Donc, t'en reçois pour une paire de chaussures. Tu vas recevoir des petites vis comme ceci. Toutes petites vis. Attendez, parce que faut pas que je les perde. Notre Jeanne qui s'effile à mal. Donc des petites vis comme ça. Le focus des familles, s'il vous plaît. Donc toutes petites vis.
On va les mettre de côté. Tu en as 4, c'est bien. Enfin, tu en as 6, tu en as 2 en plus. Et tu as un tout petit tournevis. Vraiment tout petit, tout mignon. Hop là. Et tu as cet objet-là. Tu peux choisir plein de couleurs différentes et tout, et tout, et tout, et tout. Et en fait, c'est quelque chose qui est aimanté. Hop, tu vois l'idée. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma godasse. J'ai coupé le surplus de lacets. Ensuite, c'est tout simple. Tu prends un des accessoires comme ça. J'ai brûlé un petit peu le fil. Donc, tu prends un de tes lacets. Tu mets le lacet ici, juste là dans la petite fente. Tu prends la petite vis et tu sécurises. Tu fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et ensuite, quand tu mets ta chaussure, maintenant, c'est tout con. Hop. Tu ouvres comme ça. Tu... Alors normalement, ce qui est bien de faire avec ça, c'est d'avoir des lacets élastiques. Mais moi, j'ai gardé mes lacets de base. Donc tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu mets ta chaussure. Ok, tu la mets à ton pied. Et ensuite, tu refermes. Comme ceci. Et voilà, tu vois l'idée. Ça donne une chaussure. Tu remets bien les lacets. Ça donne un truc comme ça. Voilà. Et donc, tu n'as plus d'histoire de lacets qui dépasse et que tu trouves ça dégoûtant. Et franchement, c'est top. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de couleurs différentes. Il y a plein de... Tu peux aussi acheter avec les lacets. Tu peux faire ce que tu veux. Et franchement, je trouve ça super top. Je trouve ça nickel chrome. Je trouve ça trop bien. Je pense que ça va être dans une nouvelle vidéo où je vous montrerai mes chouchous de tous les chouchous de chez AliExpress. Mais franchement, je suis super, super, super contente de m'être laissée tenter par ces petits lacets magnétiques. C'est vraiment top. Tu peux utiliser sur tes lacets à toi, sur les lacets de tes enfants, tout ce que tu veux. Après, voilà, le truc, c'est que tu peux pas les serrer plus que ce que tu as fait par rapport à la découpe. Donc, peut-être que pour les enfants, c'est pas forcément recommandé. Donc, voilà mes petits achats du jour. On continue avec ce petit haul AliExpress. J'ai reçu, enfin, tu me diras, j'ai reçu ceci. Le Resist que vous trouvez chez Action. C'est tout simplement une protection pour les AirPods, comme ceci, qui s'adapte parfaitement aux AirPods classiques, basiques de chez Apple. Très, très, très mignon. J'aime beaucoup. Il y avait un petit mousqueton juste pour aller là, mais je vais pas le mettre. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils mettent un mousqueton. Je sais pas si je vais le couper, parce que je pense que... Je vais voir. Je vais voir, je vais m'adapter. Mais voilà, c'est trop, 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 trop chou. Et ça s'adapte vraiment parfaitement à vos petits AirPods. J'ai commandé aussi chez exactement le même vendeur une autre protection, mais cette fois, c'est pour les AirPods 2, si je dis pas de bêtises. Là, c'est encore une version gourmande, mais plus une version KitKat, j'ai envie de te dire. Je te montre ça tout de suite. Alors, j'ai reçu ça dans un petit papier comme ceci. Désolée pour le bruit, c'est très très chiant le bruit. Et celui-là, il est comme ceci. Donc, tu as le petit mousqueton qui est juste là aussi. Et il est comme ça. Hop. Tuc, tuc. Tu vois un peu l'idée. Et sachant que les deux modèles, en fait, existaient pour la première génération ou la deuxième... La deuxième, c'est pas facile à dire. Ou la deuxième génération d'AirPod. Ensuite, j'ai reçu un petit bracelet comme ceci pour ma petite chouquette. Hop. Avec une petite coccinelle. Hop. Trop, trop, trop mignon. Un petit peu en style Ladybug, on va dire. Et un autre article vraiment plus Ladybug, c'est ceci. Une petite pince de Queen... je sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, la méchante qui n'est pas vraiment méchante, Queen Bird ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la petite pince Queen Bee, autant pour moi. La petite pince pour mettre pour les cheveux. Alors je vous avouerai que la qualité est pas ouf, ouf, ouf. Il est pas en relief comme sur le dessin animé, mais voilà, il est super, 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 super mignon. Yeah! Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des petites fleurs comme ça. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, je t'avouerai qu'il me les a envoyées, mais à l'arrache, la pluie totale. Il faut que je les sorte un peu, que je fasse ça, mais niveau de la qualité, je suis pas convaincue de ouf, ouf, ouf. Après, voilà, faut les sortir, faut les mettre un peu comme ça. Sur le site, elles étaient carrément magnifiques. Je pense qu'elles vont reprendre une forme plutôt sympathique, mais quand tu regardes de près, et même pas forcément de près, 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 tu vois qu'elles sont, qu'elles font vraiment très, très, très factices, alors que sur le site, ça faisait vraiment un peu plus naturel. Après, voilà, c'est pour mettre dans le canapé. Enfin, dans le canapé, c'est pour mettre au niveau de la table, juste à côté du canapé. Elles sont super jolies et tout, mais elles font un peu fausses. Et du coup, un seul bouquet, c'est quand même pas donné. J'en ai pris deux, donc c'est encore moins donné. Mais voilà, à voir, à peaufiner. Donc des petites fleurs comme ceci. Je vais en recevoir d'autres, donc du coup, je vous montrerai ça aussi. Mais voilà, faut vraiment que je les travaille. Après, c'est sûr, celle-là, elle est super belle, hein. Mais voilà, faut que je les travaille un petit peu. Donc voilà, dans un bouquet, vous avez tout ça. Et moi, j'en ai pris deux.
Les loulous, aujourd'hui j'ai reçu un article et je suis super contente et j'espère que ma chouquette ne va pas se réveiller et voir cet article parce que c'est pour son anniversaire. Et franchement je l'ai reçu en moins de 10 jours, grave contente. La dernière fois, ah oui j'ai un petit cadeau, avec, j'ai eu des petits autocollants comme ceci de Mickey. Donc je disais que son anniversaire n'est pas encore passé, donc je vais lui offrir ça pour son anniversaire. Elle voulait absolument, j'ai trop peur, et là vous allez la voir arriver. Donc elle voulait la robe, j'ai peur, elle voulait la robe de Anna. Dans un livre qu'elle lit, elle a une robe verte. Donc j'ai pris la robe verte. Alors là c'est l'avant, ouais c'est l'avant. Par contre il y a des petites finitions qui sont pas ouf de chez ouf. Tu vois un peu l'idée. Donc elle est comme ceci. Hop, des petites fleurs et tout. Par contre, elle pue un peu. Ça, c'est un peu dommage. Je vais la laisser aérer. Elle est super belle. J'ai pris une taille 120. Et en fait, elle a une espèce de traîne comme ceci. Qui est pas énormément longue, mais qui est quand même assez longue pour qu'elle mâche dessus. Ce qui est un peu dommage, en fait, c'est que la traîne, elle ne s'enlève pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà. La qualité est plutôt bonne. C'est juste les petites finitions, en fait, au niveau de là, qui sont pas terribles. Et pour l'enfiler, par contre, j'ai pas regardé... Oula, en fait, ouais, il n'y a pas de fermeture éclair. Ouais, tu passes directement par la tête. Ouais, c'est un peu chelou. Sauf que franchement, les... Après, il y en a qui me disent, ah, mais c'est du AliExpress, tu t'attendais à quoi? Ou t'as vu le prix que t'as payé, tu t'attendais à quoi? Oui, enfin voilà. Il y a des petits trucs qui font que c'est pas top. Alors faites gaffe parce que vous avez... Bon, après, ces robes-là, vous pouvez les acheter en plusieurs tailles. Moi, 120, ça va, elles bouffent pas les perles. Elle a passé ce stade. Mais tu vois, là, t'as des espèces de perles avec des points de colle, et du coup c'est des perles plastiques, hein. tu vois le trou ici, donc ça peut facilement se détacher et elle peut facilement les gober, tu vois, elles sont pas cousues, elles sont juste collées, mais vraiment grossièrement. Donc je pense que je vais faire un litige et je vais demander un remboursement de 4€ sur cette robe, sinon elle est bien, mais voilà, les finitions sont pas ouf, ça va, les enfants ils sont pas regardants de fou malade, mais voilà. Donc petit bémol quand même par rapport à cette robe. On poursuit ce haul AliExpress avec un poster que j'ai reçu. Au début je me suis dit, il y avait le colis comme ça dans ma boîte aux lettres, tout comme ça, je me suis dit, oh mais je vais le recevoir super abîmé. Mais non, parce que le vendeur avait mis donc du coup un truc plastique. En plus t'avais l'emballage, le machin, le truc. Donc un truc comme ceci en plastique totalement fermé des deux côtés. Et donc il y avait le poster à l'intérieur. Et là c'est un poster de Friends. Tu l'auras remarqué. Comme ceci, et c'est juste le poster de la porte de l'appartement de Monica et de Rachel. Comme ceci, que je vais mettre à la place des nanas, parce que j'ai envie de changer un petit peu. Et j'en ai un autre qui arrive, j'arrive pas à parler là, c'est compliqué. J'en ai un autre qui arrive avec le petit homard, donc je vais mettre les deux à côté. Ça va changer un peu, même si je kiffe le poster que j'ai là actuellement, celui que vous voyez des fois en fond avec... Je parle d'un truc et je vous montre pas, c'est quand même un débile. Hop, j'ai cela pour le moment. Hop, que j'aime beaucoup, mais je vais le changer un peu. Ça va faire un peu du bien de changer. Il faut changer un peu de temps en temps. Ensuite j'ai reçu pour ma petite chouquette des petites boules d'oreilles, mais trop mimi. Pareil, ma chouquette elle a pas les oreilles percées. Je ne vais pas lui faire percer les oreilles, hein. On verra plus tard quand c'est elle qui aura décidé. Enfin pour le moment je dis ça, on verra, mais pour le moment ce que j'ai dans la tête c'est que quand elle aura décidé de se percer les oreilles, bah du coup elle se fera percer les oreilles. Ok. Et donc du coup j'ai pris deux petites boules d'oreilles comme ceci. Bah je vais vous les mettre sur moi. Hop, elles sont comme ça, elles sont super mignonnes, sachant qu'elles existaient aussi en blanc, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, trop shoot. Par contre je sais pas pourquoi, mais ils m'ont mis des petites trucs comme ça avec, alors que il n'y a aucun intérêt de mettre ça, parce que bah, ça sert strictement à rien. On peut pas. je me suis dit, bah peut-être. Bah j'arrive pas à parler. Peut-être qu'on peut les transformer pour faire des boules d'oreilles exprès pour les gens qui ont les oreilles percées, mais c'est absolument pas le cas. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont mis des petits pinous comme ça. Aucune idée. Et j'ai reçu ceci. Regardez-moi les paillettes, la brillantise, tout ce que tu veux. Vous avez vu dans ma dernière vidéo que je m'étais mis, enfin, que j'avais envie de me mettre au diamond painting. Et là du coup j'ai commandé. J'ai commandé carrément une petite pochette comme ceci. Alors, il fournit avec la pochette des numéros
comme ça. Par contre, je comprends pas pourquoi les numéros commencent pas par 1. Donc ça commence par 150. Ouais, ça commence par 150 et encore, c'est pas des... C'est moi en commentaire pour me dire, mais il n'y a même pas de genre 399. Enfin, c'est assez chelou, c'est assez particulier. Peut-être qu'il n'y a que ces chiffres-là. 817, est-ce qu'il y est ? 817, 817. Ouais, il y est. Ok. Le 3808. 3808, 3808. Bah ben oui, il y est. Ok. Ok, alors j'ai l'impression qu'il n'y a que ces chiffres-là parce que c'est peut-être les chiffres exprès qu'il y a bah, quand tu fais quand tu commandes du diamond painting. Parce que moi je vous montre juste après, mais je viens de faire mes, je viens de faire mes chiffres et c'est vrai que je me suis pris la tête de ouf pour rien. Je suis complètement débilos. C'est pas grave, je vous montre ça juste après. Donc ensuite avec ça, il y a un truc comme ceci là, le truc que tu prends pour la petite colle en fait. Tu as, bah c'est ça le truc que tu mets la petite colle dedans. Tu as le petit stylet comme ceci. Tu as ensuite une petite plaque comme ça. Et c'est complètement con parce que moi je m'étais acheté exactement la même truc, mais je vous l'avais montré dans un autre, dans une autre vidéo. Mais tu as aussi une petite pince. Petite pince comme ça. Pince. Ouais. T'as ça en fait. Je crois que c'est pour écraser totalement à la fin. Pour vraiment que ce soit tout plat, tout plat, tout plat, tout plat. Donc du coup, ouais, ça je l'ai commandé. Je l'ai commandé pour rien en fait. Hop. Et tu as ça aussi. Un espèce de petit entonnoir. Pour pouvoir mettre tes perles dans les petits bacs que je vais vous montrer. Mais je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait, ça, les perles, elles accrochent. Donc après, je ne l'ai pas lavé ni quoi ni caisse. Mais ouais, les perles, elles accrochent. Donc c'est un peu relou. Mais peut-être que ce sera bien pour... Par contre, ce sera bien pour après. Parce que là, en fait, j'ai transvidé mes sachets dans les petits pots. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as mis toutes tes perles là, ça, c'est plus facile pour faire ça. Même si ça accroche, c'est pas grave. Peut-être que je vais le laver pour qu'il soit un peu moins accrocheur, grosso modo, on va dire. Et puis ensuite, tu as... C'est ça le plus important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 66. Je crois que c'est ça. T'as 66 récipients comme ceci. Donc les récipients sont comme ça. Ce vis et ce dévis. Et franchement, là, j'ai rempli toutes mes petits trucs du diamond painting, de la petite sirène. J'ai absolument tout rempli et c'est nickel chrome. Et comme je vous le disais, j'étais un petit peu bête. Je pense pas que je vais enlever toutes les étiquettes, je vais laisser comme ça parce que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Mais j'ai fait mes propres étiquettes. J'ai absolument pas fait gaffe que c'était exactement ces chiffres-là. 38, 35, c'est sûr qu'il y est. Hein. 38, 35. Ouais, bah il y est là, 38, 35. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. En plus, j'ai fait ça avec les enfants, avec la chouquette. On a fait ça ensemble. On a tout fait tout à l'heure bah, pendant que j'étais là à la chercher. Et voilà, donc du coup, ce que ça donne, c'est absolument tout. Hop. C'est, je trouve ça super sympa, donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à faire les diamants de painting. Et par contre ce qui était cool aussi c'est qu'il y avait une autre pochette où tu avais deux fois ces jetages là, une deuxième fois. Donc du coup tu peux avoir deux diamants de painting différents. Je trouve ça plutôt cool, même si peut-être qu'au bout d'un moment bah, en fait c'est... Ah bah non, en fait vu que c'est peut-être toujours les mêmes couleurs, bah du coup tu peux avoir... Parce que je suis sûre que t'as pas pile poil, heureusement, j'espère pas, pile poil le nombre pour faire ton truc. Donc comme ça tu peux les garder. Tu peux les garder et puis si t'as d'autres couleurs, tu peux les rajouter en plus. Donc je trouve ça super sympa. Hop. La couleur, je suis pas super fan. J'aurais préféré un truc noir classique. Mais j'ai pas trouvé, les autres trucs noirs classiques étaient peut-être un peu plus chers. Donc j'ai trouvé celle-là. Voilà. Elle flash de ouf. Mais ça fera très 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 bien. Très 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 bien le job. J'ai hâte de m'y mettre. Mais comme je dis, je sais pas. J'aurais tant aimé. Bref, je vous dis à plus tard. Coucou la compagnie. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de choses pour la petite chouquette. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, en premier, j'ai reçu un lot de 5 paires de boules d'oreilles. Autant te dire que hein, y en a pour tous les jours de la semaine. Hein, pour... J'allais dire pour aller à l'école, mais on va quand même éviter d'aller à l'école avec des boules d'oreilles. Donc, elles sont comme ceci. Voyez, alors c'était vraiment le lot, hein. Tu pouvais pas les prendre à l'unité, bon peut-être que tu pouvais les prendre à l'unité chez d'autres vendeurs, mais elles sont comme ça, donc tu te vois des roses, des rouges, des bleus, une autre bleue, sans rayon, tu n'as rien à voir, et des petites jaunes, elles sont super jolies, et de toi à moi, elles sont plutôt qualitatives, donc pareil, hein, même système, hop, t'as un système où tu clipses derrière, et franchement, je les trouve très très belles, très très jolies. Hop. Et puis avec le petit emballage et tout, ça le fait carrément. Ensuite, j'ai reçu ceci aujourd'hui. Et franchement,
Je le trouve trop, trop, trop beau. Donc, c'est un diadème, on va dire, parce que c'est pas du tout une couronne, parce qu'il n'y a pas de, y a pas de derrière. Et franchement, les petits détails sont très, très beaux. Alors, par contre, ce qui me fait peur, en fait, ça va être au niveau de la corrosion du métal ici. J'espère que ça va pas finir par... pas par rouiller, mais par changer de couleur. Au pire, c'est pas grave. Si l'ensemble change de couleur, ça peut donner un aspect vieilli. Mais franchement, il est super beau, ce petit diadème. Je le trouve magnifique. Et il est comme ceci. Donc ici, tu as des petits trous. Au départ, je me suis dit, ça serait quoi, les petits trous? Mais c'est pour attacher éventuellement une espèce de petite traîne. Et franchement, il est de très, très bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, du coup, je le mets, hop, comme ceci. C'est pas trop beau? Ça brille. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, pour la petite chouquette, je lui ai pris. Alors, je lui ai repris ces boules d'oreilles Ladybug parce qu'elle les avait perdues. J'aurais dû en prendre carrément de l'eau. Et pareil, ce sont des boules d'oreilles comme ceci qui s'accrochent avec un petit clic-clic. Et donc, c'est tout simplement à l'effigie d'une petite coccinelle. Donc, exactement comme les petites boules d'oreilles de Ladybug. Je vais y trouver ensuite. Alors là, elle va être tellement parée. Je vais y trouver un collier que je trouve mais tellement joli. Hop là. Par contre, il est très très long. Ça le fait avec le truc Décathlon. Il est comme ceci, très très long. Il n'est pas du tout élastique, mais tu vois, c'est un pendant. Et franchement, alors, je t'avouerai que la qualité est pas ouf, ouf, ouf. Là, t'as juste un truc, un petit truc comme ça là. Mais allez, il est comme ça. Il est super beau, je trouve. Très très beau. Et ça fait vraiment la Reine des Neiges, je trouve. Carrément, carrément, carrément. Très joli. Ensuite, j'ai commandé encore une petite parure. Alors, je vous le dis, la petite, niveau parure, ça va être bien. Donc là, c'est carrément l'ensemble. Donc, t'as une espèce de petit collier comme ceci. Alors, c'était le même vendeur que celui de la Reine des Neiges, grosso modo, on va dire. Donc, un collier comme ça. Hop, tout simple. Hop, avec un petit diamant rouge. T'avais plein de couleurs différentes. T'as aussi celui-là, un petit bracelet avec le diamant rouge. Celui-là, je vous avouerai que j'ai reçu le diamant. Il s'était détaché, moi, un petit point de colle. Et puis, c'est parti en avant, guingant. Ils sont élastiques, hein, les deux sont élastiques. On a ensuite une grosse bague qui s'ajuste. Mais par contre, je pense qu'il faut y aller mollo, mollo, mollo. Hop, petite bague comme ceci, avec exactement le même motif. Et des boules d'oreilles comme ça. Par contre, ces boules d'oreilles là, je suis pas super fan. C'est parce que le derrière il est en plastique. Et alors, celle-là c'est en métal. Ouais. Et je sais que j'ai déjà eu des boules d'oreilles de ce style là. Et elles ont tendance en fait à pas tenir en fait. Donc, c'est assez relou. Ah, j'ai reçu du coup mon deuxième poster Friends. Je suis trop contente. Il est comme ceci. C'est un homard. J'aime trop. Du coup, je vais le mettre à côté de l'autre. Et je pense que ça va faire plutôt sympa. Et vous voyez, c'est une toile. C'est de la toile comme ceci. Alors normalement, ils sont coupés pile poil par rapport aux dimensions. Vous avez des traits de coupe comme ceci. Hop, du coup, quand t'as un cadre avec des bords, du coup, ça se voit absolument pas. Mais moi, j'ai tendance à les couper un tout petit peu, un tout petit chouette. Donc ça, c'est un peu plus relou, mais ça se coupe assez facilement. Après, l'idéal, voilà, c'est quand t'achètes des cadres comme ça, c'est d'avoir justement un... Enfin, quand t'achètes des posters comme ça, l'idéal, c'est d'avoir un cadre avec des rebords, de façon à ce que tu vois pas les traits, tu vois, les tout petits rebords, comme ceci. Mais par contre, découpe bien. Découpe bien pour pas te couper. Et franchement, je suis trop contente. Coucou les loulous, Angel s'est invitée à ce haul AliExpress. Alors désolé, j'ai une tête défoncée, je suis fatiguée. Même si j'ai mis du rouge à lèvres, c'était juste pour faire un swatch. Alors j'ai reçu quelques articles très sympathiques. Par contre j'ai une déception, enfin une défaite. Enfin c'est de ma faute, oui et non. Bref, vous allez voir. En premier, j'ai pris de l'eau comme ceci, Kezako. C'est tout simplement des sécurités pour enfants. Alors Chouki, dans sa chambre, il a trois sécurités différentes. Je vous les avais montrées au fil de mes vidéos. Il y a une sécurité en plastique, enfin il y en a deux, enfin tout est en plastique. Il y en a une simple, il y en a une un peu plus élaborée, il y en a une plus plus. Celle qu'il n'a pas encore réussi à ouvrir, c'est celle-ci que j'ai juste ici. Bah, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Hop, c'est exactement la même chose que j'ai commandée. Elle se présente comme ceci. Tu la mets, donc tu l'accroches avec... ici le double face, hop, ensuite tu fermes juste là ici, et pour ouvrir en fait tu peux pas, donc déjà
ça tient super bien. Et pour l'ouvrir, tu peux pas. T'es obligé d'appuyer sur les deux boutons. Bon, lui, il a pas encore compris le système. Mais je pense qu'il va pas du tout attendre pour comprendre. Mais grosso modo, tu fais ça. Hop. Et du coup, ça finit par s'ouvrir. Donc, cette fois-ci, j'ai commandé, je crois, un pack de 6. Un pack de 6 en tout. Hop. Si c'est bien ça. 2. J'en ai déjà mis un, du coup, dans sa chambre. Donc, ça se vend comme ça. C'est plutôt pas mal. Hop, comme d'habitude, hein, vous aurez tous les liens en barre de description. J'ai vraiment une tête fatiguée, mais je suis fatiguée. Donc ouais, j'en ai commandé 6, donc ça fera le job. Et pour information, si tu trouves que c'est trop long, je crois, si je dis pas de bêtises, et que tu peux le couper en fait. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Oh, j'ai pas envie de dire de conneries. J'ai pas envie de me péter les ongles, je suis pas en état. Mais honnêtement, si je dis pas de bêtises, je crois que tu peux le réduire à la taille que tu veux. Ok, et franchement, ces trucs là, pour le moment, c'est le plus. Après, bien sûr, j'aime bien. Allez, c'est à toi de dire à ton enfant de pas toucher, mais des fois, c'est pas facile. Donc voilà, des petites sécurités pour enfants. Donc ensuite, j'ai acheté autre chose. Alors, je vous avais montré les cadeaux Friends qui étaient super jolis. Et je reçois ceci. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, moi, j'ouvre, tu vois, je fais ça. Je vois rien de dangereux, donc du coup, je l'ouvre. Et voilà. Bonne idée d'envoyer un poster directement comme ça, parce que du coup, j'ai coupé le poster. Voilà. Autant te dire qu'il est tellement coupé proche que ça va être compliqué de le mettre dans un cadre. Ça va être très très moche. Et là, grosso modo, c'est marqué qu'est-ce qu'est exactement un homard. Et il t'explique un peu la définition que c'est des personnes qui... Enfin, je te fais une description à la... C'est une traduction à l'arrache, mais grosso modo, des personnes qui peuvent pas séparer. Un truc un peu comme ça. Que je voulais mettre bah, dans ma cuisine aussi, mais... Je sais pas, vu que je l'ai coupé comme ça, je sais pas si ça va le faire. Donc c'est en toile et tout. Par contre, le vendeur, c'est vraiment n'importe quoi qu'il ait fait ça comme ça. Parce que c'est pile poil la taille du truc. Et je vais voir. Après, ça se voit pas de ouf, mais ça va pas faire super propre. Je vais voir. Je suis dégoûtée. Je suis un peu déçue. Et ensuite, j'ai reçu des bouquets de fleurs. Alors, je t'avouerai que là, je suis un petit peu déçue. Alors, oui et non. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, chaque brin comme ceci... Et pas aimanté, mais un petit coup de fer. Du coup, tu peux vraiment mettre le bouquet comme tu veux, en fait. Mais par contre, jusqu'à la tige. Tu vois, la qualité est vraiment pas très très jolie. C'est pas ouf, c'est pas oufifou. Surtout au niveau des branches, là. Ça fait pas très très joli. Alors là, j'en ai pris deux. Tu vois, un bouquet, ça va encore. Mais tu vois, je trouve que déjà, il y a une différence entre les deux. Je trouve que c'est pas la même chose. Et pourtant, il y a toutes les mêmes fleurs. Mais après, c'est à toi de le faire un peu comme tu veux. Mais de loin, ça va. Mais de près, ça le fait pas. Tu vois ici, la qualité n'est pas ouf de chez ouf. Alors après, il y a des fleurs super bien. Il y a ça. Il y a, hop, celle-ci. Hop, t'as une fleur à moitié ouverte, à moitié fermée. Enfin, moitié ouverte, à moitié fermée, c'est un peu la même chose. Mais après, voilà, faut ajuster le truc. Mais ouais, de près, ça fait vraiment pas joli. Alors après, oui, il faut dire que vu le prix, tu peux pas t'attendre à la qualité de fifou fifou. Mais je peux te dire que le bouquet rose que j'ai reçu, bah au final, ça le fait plutôt pas mal. Mais voilà, je suis pas super super satisfaite par ça. Je sais pas si je vais mettre les deux, parce que les deux, ça fait un peu... Quoique ça va encore, je vais voir. Mais je vais essayer de bien le... Limite, enlever les feuilles qui sont pas très jolies. De faire une espèce de truc un peu sympathique. Parce qu'après, il y a des jolies... Il y a des jolies choses, mais voilà, faut vraiment le regarder de loin. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà, les petits derniers achats que j'ai reçus. J'attends encore plein de choses, surtout des cadeaux pour les enfants qui vont arriver, mais sûrement après les fêtes. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Sur AliExpress, il y a toujours les mêmes choses. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Désolée de finir avec une tête malade, mais c'est comme ça, les aléas de la vie. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là, si le cœur vous en dit, sur des hauls AliExpress. Fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.